Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue na émission Nabino Salon Rouge. Salon Rouge yalelo to yambi spécialement pour Nabino ba congolais au ba landa kabiso na Congo mobimba na monde entier. Moi na mboka Ivan Ilunga oyo azali président ya parti politique RSD, parti ya membre ya Union Sacrée et moi na mboka Mbote ndeko Jason, Mbote surtout Naba congolais, non so bazo landa biso sur toute l'étendue du territoire national. Na bandi bongo pe na ba yeban so bazana mikili ya poto au bazali ko espérer en un Congo meilleur, au bazali ko espérer que lobby ko lekalelo na pesi bango na sombote. Ba sujet si zebele bino yozali moko ya ba parti ezo ko ko accompagner chef de l'État surtout na maponami eza ko kende et toza ko kende maponami na 6 mois presque tozo kende maponami même butu butu eza ebele ya mbotoko makuna lelo mokonza mboka uti na mikeli ya Chine a uti Chine visite na eo na Chine est-ce que ça bénéfique pour na ba congolais? D'abord na ligne rectifier tozale ko accompagner chef de l'État te mais tozale ko partager vision ya chef de l'État. Ah donc vous avez 4 ya vision parce que ba accompagnateur bazali na sika basukaka soko mati par exemple la gare centrale ozoko accompagner baninga soko mi par exemple na royal okokita baninga ba continuer et donc rassemblement pour la souveraineté parti politique o tozali ko kamba tozali ko partager vision ya tata mokondi mboka vision o singeli ko recouvrer par exemple souveraineté nationale po boyebi na imatali souveraineté mboka na biso ezali en proie na ba guerre intestine mais aussi imposée par l'extérieur et donc tous allez partager vision à chef de l'État na motuna na yo c'est vrai que visite ya chef de l'État d'abord il faut boye bakezala kimba liboso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en tant qu'individu ani atamakolo ya Chine mais ce qui est important c'est que en tant que président de la République akei ko n'est-ce pas qu'au réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo en lettres d'or. Dans l'anda qui est mon quoi l'obiango et loco et paté ming c'était d'abord l'accueil. En fait l'accueil au bas réserva qui est c'était un accueil qui recouvrait la souveraineté de la République en tant qu'État. Lobby boyebi la Chine nous avions négocié avec certains hommes d'affaires chinois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intérêt égal à égal ou d'État à État. Et donc, présence, il y a chef de l'État, et c'est là qui d'abord, pour la Kolongola, ou c'est là qui n'a Kouzou, ou et cinéma qui, en dehors du cadre légal, du cadre institutionnel, causons que ça sur la table des négociations, afin que, au tout bien, un contrat chinois, et seulement si entre président chinois Xi Jinping, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et tout le monde a kipé passage na yé. Na ba solo liangote et donc a qui porte-parole au gouvernement le bic contrat chinois ba beti ma solo liangote et il y a pas eu des accords ndenge to landi il y a eu plus ba signature il y a mémorandum d'entente et tout ça là et pourquoi mais donc visite à chef de l'État c'est là qui visite touristique en quelque sorte les mémorandums c'est justement ça les pré-accords. En fait, on va dire la MOU, les alliés, un ensemble de textes légaux qui préparent, n'est-ce pas, soit la révision de certains articles, il y a contrat chinois, la conception, la stratégie, aux alliés. Dans le bas, au début, l'obitant signé un contrat chinois, il y avait des promesses, n'est-ce pas, il y avait des mots et merveilles, au balaka qui va congolais, non, banzele kotongama, ba hôpitaux kotongama, ba école. Et Kotongama, en contrepartie, la République ya Chine est qu'on bénéficie d'une exploitation à ba minerai, justement avec ces communes qui ont entreprises au Batia qui en place. Malheureusement, ba Chinois, bazwa qui, oh, il fallait bazwa en termes d'exploitation. Mais moi, bon, au Batia qui, ça n'a rien servi. Je ne voudrais pas ici, Kolota Balou, pour chercher les écoles que les Chinois ont construites, pour chercher les routes que les Chinois ont construit, les hôpitaux n'en parlons même pas. Et donc, les alaki visite touristique, ceux qui nous quittaient, les alaki visite pour ne pas déranger le protocole d'État, les ministres et la communication,
alobaki nandengwana, mais lorsque vous voyez les gens signer des MOU, c'est pour dire qu'il y a des pré-protocoles d'accord pour l'exécution, la continuation justement de l'applicabilité du contrat chinois. Visite à président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en Chine. Est-ce que les alités côtières ont barrières, des partenaires, par exemple l'Occident, en disant l'Occident, nous voyons les États-Unis, la France et tout, et les pays où on a surtout au Basali, dans quatre OTAN et tout, ils ont été bloqués et tout, et qu'on crée les bisous. Les lots problèmes qui ont été créés dans les pays où sont les Américains, je ne connais pas citer leur nom, que Kabila Kenda qui ngambo ya ba chinois, il fallait qu'il y ait Tikala, après ça qu'il y ait chinois, une opportunité belle. Le lot est qu'on crée les bisous problèmes, je suis le président Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que nous avons gagné avec la France, la Belgique, mais aussi tout ce bloc des capitalistes impérialistes appelés Occident aujourd'hui? Qu'avons-nous gagné, à part les armes, à part les guerres, à part les tueries? Vous pouvez exemple à Kadhafi, vous pouvez exemple à Saddam Hussein, vous pouvez exemple à les gens, vous pouvez exemple à Mouzé, vous pouvez exemple à prédécesseur, à ancien président Joseph Kabila. Mais est-ce que face à la destinée de ton pays, il faut privilégier les accords entre États ou bien le développement de son pays? Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tolanda, qui a lobby, je voudrais bien industrialiser mon pays. Voilà les raisons qui ont fait que je vienne ici en Chine. C'est vrai que l'industrialisation dont on attend, ça peut se faire après 5, 10, 15, 20 ans. Mais il faut commencer quelque part. Devrions-nous aujourd'hui chouchouter, cajoler les contrats que nous avons autour de l'armement avec les Européens? Ils donnent les armes à nos adversaires, ils nous donnent aussi des armes. Avez-vous déjà entendu une seule fois Chine et Kotanamamboba guerre en Afrique? Boka une fois Chine et Tekelabatu Mando qui est compagnie, Chine Moussa Nongotoebi et Tekelabsoba Congo et Tekelabsoba Tracteur et Tekelabsoba Machine et Tekelabsoba Mzela. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que vous allez président à mon il y a République, le président Olingi, Azalaki, Bwana Malamu, Nabango, Lelo. Il reste. Lelo Akei Nangambashi. Non, il ne faudrait pas faire des affirmations ici. Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a quelque signé accord mon côté, les déliants de ses précédents accords avec les autres partenaires. C'est-à-dire qu'il garde au nom de du principe, il y a relations internationales, il y a respect des accords signé, à ce qu'on demeurait là-bas, à Cornay. Mais cela ne l'empêche pas. Et surtout que l'accord en Oboloba, ce n'est pas un secret polichinelle. Félix Tshisekedi, il a signé jamais là-bas américain qui va piller, va minerai à Kasenga, par exemple. Il a jamais signé là-bas français, Bakende, par exemple, copié à gauche, à droite. Autant il est allé en Chine, il n'est pas allé là-bas pour dire, bon, désormais, comme moi, là-bas chinois, là-bas, là-bas américain. Nous avons besoin de tous ces partenaires. D'autant plus que chacun intervient dans un secteur il y a développement. Les lots au chinois vont faire ça par tracteur. Les lots chinois vont faire ça par Congo. Les lots entreprises et belles acquis en France. Même il y a Bilamba et comme ça les mana Chine. Est-ce que Bisso au Tolini Mboka Mbisso qui est le Bosso? Donc on privilégie via un individu parce que aux Obangaliwa, pourquoi devrions-nous avoir peur de la mort? Si, et d'ailleurs vous devez savoir que dans tout État, dans toutes les républiques, dans toutes les révolutions, lorsque vous avez la jeunesse avec vous, lorsque vous avez les peuples avec vous, peu importe le complot, très souvent, ce qui a fait que l'on puisse atteindre Mouzé, c'est parce que Mouzé était arc-en-ciel. C'est-à-dire, il était congolais, aimé par le congolais, mais entouré par les Rwandais. Très bien. Ça, vous devez le savoir. Mais aujourd'hui, nous sentons un président Félix Tshisekedi, d'abord un congolais, aimé par ses frères et sœurs, un congolais qui fait un effort de reconnaître son identité en tant que Congolais. Et donc je pense que moi je viens du Congo profond, c'est que Tolobara na capitale n'appartient qu'à la capitale. D'ailleurs, sur ce même sondage, ça vous donnera aujourd'hui l'adhésion populaire au soutien à la personne du président Félix. Donc le président a le soutien de ses frères, des Congolais, et te bandit au travers de ce soutien, peu importe les complots qui peut y avoir, Barolong a été. Très bien.
même si complot est indéni, le Barolong a été, les lots, même fichier électoral, tout le temps, il y a un fichier électoral. Fichier électoral, où ils ont contesté par Abattu Ebele. Pour ne pas dire seulement fichier électoral, Oyo, tout le monde est expert, il y a qui, il y a des gens qui ont Yandeko, Nabiso, Kadima. Basali, Nyamu, Nyamu, Nabango, Basilisi, Bapiblié. Bas chiffre, Oyo, ils ont contesté. Pensez-vous avec fichier électoral, Oyo, qui est dans mon ami Assol? D'abord, vous devez savoir que qui conteste? C'est-à-dire qu'un groupe de gens, un groupe de Congolais ne peuvent pas déterminer les sorts de tous les autres Congolais. Dès lors qu'ils n'ont pas la légitimité, encore moins la légalité. Bazaba Congolais au même titre que Yonangaï. C'est-à-dire l'opinion na bango, à un certain moment, ils ont engagé Kaka. Bango, na moi, ba militant, na bango, na ba parti politique, na bango. Vous vous rappelez ici aujourd'hui, il y a une jurisprudence, nous devons le retenir. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir eu plus ou moins 3 cycles électoraux. Nous avons eu ici l'abbé Apollinaire Malumalu, 2006-2011, Tozui, équipe Yaba Jack Joli, Naba Corneille Nanga, si j'ai bonne mémoire, Bangoupe Baleki, Lelo Oyondeko Kadima. Dans tous les cycles on a cité Léona, il y a eu contestation. C'est-à-dire quoi? J'ai comme l'impression que ceux qui contestent ne contestent pas le fichier électoral proprement dit. Parce que c'est avec ce même fichier, Oyoapi, nous irons aux élections. Mais des élections chaotiques, avec Il n'y aura jamais des élections chaotiques. Parce qu'il n'y a pas, d'unanimité. Vous vous rappelez des élections de 2018. Est-ce qu'il y avait possibilité de parler chaos plus que les élections de 2018? C'est les mêmes acteurs. Oyo, je ne voudrais pas citer les noms. L'élection de 2018, un opposant est devenu président de la République. Et quand même. C'est-à-dire que c'était une meilleure élection. Ah ben voilà. Mais le toujours qu'on apprécie parce que nous sommes en fin de législature. C'est pour vous dire quoi? Si hier, celui qui tenait les baguettes était un président qui avait fait plus ou moins 21 ans au pouvoir, qui avait tout l'armement possible, toutes les institutions en contrôle. Cour constitutionnelle, n'en parle même pas. Fichier électoral, tant que bah, annoncé, je me rappelle, celui qui est aujourd'hui vice-premier ministre et ministre de l'économie, avait contesté le président Kamel. En son temps, il était dans l'opposition. Ouais. Mais nous sommes allés aux élections avec les fichiers autocanitaires qui étaient favorables à Ndeko Kabila, et ça a donné Tshisekedi qui était un opposant. Donc c'est pour vous nous dire qu'en réalité, nos frères ne sont pas prêts pour aller aux élections. Leurs états-majors ne sont pas prêts. Ils sont prêts, mais pas avec cette CENI. Je dis même ils sont, si... ils ont demandé la recomposition de la CENI. Bah, Sengi, bah, expert, il y a solo bah, audité pour Babiwane Zabana classe, bah, camarade, il y a Kadima. Et recomposition, il y a cour constitutionnelle. Nous sommes en unanimité, nous sommes en unanimité. Nous sommes en unanimité. Nous sommes en unanimité. Nous sommes en unanimité. Déjà, nous sommes en gagner à Yébani. Na koloba na yo eloko moko ndeko Jason pe ba Congolais bolanda biso. Oyebi ba Congolais loba suba na mikete. Yo na ngai, on a la chance d'être dans ce pays, tout sacrifier moi jeunesse na biso yo na domaine na yo ya communication, biso ba yo depuis politique de banda kiango. Nous avons été du côté de l'ancienne mouvance. Nani aujourd'hui a koko ignorer appartenance ya Didi Manara. Premier vice-président SNI. Petit frère propre à Chadari. Président d'un groupe parlementaire PPR de l'Assemblée nationale. En tant que membre PPR. Ndeko Agé Matembu, l'actuel questeur. Qui peut ignorer son appartenance au kabilisme? Ok? C'est-à-dire que Lelo Oyo. Lelo Oyo, c'est un kabiliste. Lelo Oyo, ce qui a taba changé, Bazou Nzambe et Moko Batier, il est président Seni. Bah toi, Satan, bah, roté les matakas. Ça dit que la République doit avancer. La République doit avancer. Nous organisons les élections, oui. Mais est-ce que c'est pour la prochaine génération ou c'est pour les prochains électorats? Même si on organisait les élections dans le système actuel, le pays ne connaîtra pas son développement. N'a qu'un au moins qui est la Turquie. Où vous avez un président de la République qui vient de totaliser, je crois, 20 ans au pouvoir, mais dans un régime
démocratique. Pourquoi biso toko fongolaté bilorné tu as bon. C'est comme ça que j'encourage aujourd'hui de Konanga Alphonse Ngoka Sangi. Je vais d'ailleurs le premier de faire bloc avec lui. Owa Piazonga a initié la révision de l'article 220 de la Constitution. Oyo e boyama de puta batango nyoso bino bozo luka lelo voilà mon salut. Sauf qu'hier nous étions na deux tours des élections. On a changé Togo à la tour unique. Mais pourquoi ne pas retoucher l'article 220 de manière objective pour l'intérêt de la République? Et donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Il ne faudrait pas que Bandeko Bazan en opposition va faire miroiter les gens parce que seulement opposition doit exister en RDC. La révisitation au coup constitutionnel, qui ne connaît pas la maîtrise de Kamoulé dans la Mambo Constitution? Que voulez-vous? Que l'on donne, que l'on mette qui à quelle place? Bolingba Zwanga et Docteur Ivan, consensus. Le consensus, on ne le trouvera jamais. C'est impossible. Je vous rappelle ici que l'Église catholique avait échoué à une mission il y a longtemps. Tant que vous avez dit que le lobby qui est président, Tshisekedi a dit qu'il est au combo à mon tour, pas de la Premier ministre. L'Église catholique a pris ça comme on a dit. Joseph Kabila a dit, bon, j'attends qui? L'Église catholique. Des tergiversations en tergiversation. J'en appelle ici à la conscience collective. C'est vrai que ça ne leur arrange pas. Pour Nabango, Moïse Alingaï, par exemple, Salomon Escadela, Azala président à Séni. Fayoulou Alingaï, par exemple, Ndongonanga Prince Epengé, Azala président Cour constitutionnel. Mais que le Congo, aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions. Il y a des compétences. Il y a des compétences avérées. Qui peut nier aujourd'hui la capacité, par exemple, il y a Denis Kadima en matière électorale. Même Corneille Nanga n'a pas de leçon à donner à son maître. Je dis bien à son maître. Denis Kadima n'a jamais organisé des élections. Je dis bien à son maître. Mais Corneille Nanga a organisé des élections. Je dis bien que Denis Kadima est le maître de Corneille Nanga en matière électorale. Ce n'est pas parce qu'il est kassaïen ou parce que... On a l'impression. Je le dis parce qu'il y a une montée de tribalisme que nous devons combattre. Et surtout vous du Kassai. Parce que bandekwa Kassai botique et lokwana et surtout kolobakeno moi na mboka tiseke di ba ko combattre pour za Kassaien. Congo et sengelito za bomoko. Et za te po de nika di maza Kassai, il faut. C'est ça justement. Je pense que c'est vrai que Bakassayen bazamo ebelé na pouvoir to yebani. Non, je pense que la Cour constitutionnelle Bakassayen bazé ebelé te ko le kabatoa ba Swahili. Bakassayen bazé ebelé te ko le kabatoa Swahili na pouvoir il y a 2000 il y a ba pouvoir antérieur. Donc makambo nyos to e le kaki bino pe na pouvoir na bino il faut beaucoup copier. Te pouvoir oyo. Ba kopeka malamu botike mabé. Oyo ezali pouvoir ya ko copier te. Il faudrait pas confondre les choses. Ok. Un message pas... contre le tribalisme. Je dis ici que le fait pour nous d'être congolais, il ne faudrait pas que les ethnies, nos appartenances ethniques puissent nous diviser. Place compétence et Zali, pour soutenir d'abord et avant tout compétence. Très bien. Je l'ai dit ici, moi si aujourd'hui je jette des fleurs dans Batloko là-bas, Badeni Kadima, ce n'est pas parce qu'il est cassin. Si j'ajette des fleurs dans Batloko là-bas, j'ai Matembo, il est de loi là-bas, il est Katangé. Ce n'est pas parce qu'il est Katanga, il est d'abord congolais, mais les compétences, il y a ressemblé à l'été. On se comprend. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas de ta famille politique, qu'il n'est pas de l'essidé. Donc, yom ou tout ensemble, il faut se pelater. À un certain moment, nous devons mettre les égaux. C'est vrai que Tokria Kabishon se bat parti pour la conquête du pouvoir. Mais il faut te dire aujourd'hui que lorsqu'on est membre de la CENI, on doit être apolitique. Très bien. On est président de la CENI, on est questeur de la CENI, on est vice-président de la CENI. On devient apolitique. On n'appartient pas à une coloration politique. On n'appartient pas à une ethnie. On n'appartient pas... Et je n'ai jamais d'ailleurs vu, même les anciens présidents, en dehors de Corneille Nanga, qui avait fait élire et sa femme et son frère. Et donc, tu vois, en dehors de ça. Mais je pense que on n'a pas vu des frères de Kadima. Le frère de Corneille Nanga est Azaki candidat à l'équipe parce qu'on l'a voté. Sa femme. Ah ben, on l'a voté. Ces genres de choses doivent mettre fin. Voilà. Aujourd'hui, nous continuons avec cette loi, hein, pour ne pas dire la loi sur la répartition des sièges. Est-ce qu'il faut, Lélo,
dans l'urgence, dans la rapidité. Oh, dengezo kendele, denge bande comme sous, bah, comme y a tout le monde qui va député, n'y a opposition, va sécher ça la plénière. La loi sur la répartition des sièges, il faut les canaux mbango, va voter en gros dans l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est parce que Bozo Monate que nous sommes à moins de 20 jours. Il y a déposé la candidature à la députation nationale. C'est le 26 juin qu'on dépose les candidatures à la députation nationale. Vous voulez qu'on prenne le temps pour faire quoi? Pour dire quoi? Amputer la province de Moussous Navali. Quand vous dites amputation, ma siège de Moussous est lourd. Dans le pays, exemple, il y a Kwango. Où il y a Kwamout Nakati. Comment voulez-vous que si Kwango avait 4 sièges, Kwango, dans la configuration actuelle, ils ont 4 sièges? Alors que m'enrôler bah là qui m'ingéter parce que quand t'as banné ça là qui entre bateke na ba na ba 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 bateke na yaka, les gens ne sont pas allés aux élections. C'est tout à fait normal. Je me rappelle encore de 2018 ou 2018 où ma province le Kasaï central est là qui en termes de nombre, il y a des députés qui ont quitté. Même si parce que tout phénomène Kamouna perd des sous. Parce que phénomène Kamouna Sapou et Zalaki. Non, actuellement, Kassai est plus que Kassai oriental. Okay. Parce qu'il y a Kassai oriental et Kassai central. Kassai central, ils ont enrôlé Bélé. Parce que, on est sur Kimaka na Bazamba, dans le phénomène Kamouna Sapou. On est sur Kendaki, Batika, Village, Zongi, Baeko s'enrôler. Et surtout que le leader Kassaïen, mais qu'est-ce que sensibiliser, bah que c'est un mingi pour ne pas participer na au étalé enrôlement. Mais Kolongo la lissous, on n'ampute pas, on ne crée pas les électeurs. On ne crée pas des sièges. Le territoire est belé, ça exclu. Mais c'est tout à fait normal. Le territoire est belé, ça exclu. Mais est-ce que tu veux une belle élection, une partie à Congo va participer à l'élection? C'est vrai qu'au nom de la souveraineté, ceux qui ont tenu parti dans le rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, Owa peut-on prendre la souveraineté sur toute l'étendue du territoire congolais, sur Tony Bissot, méthodologie électorale, donc soutenir au CENI et au propriété. Ça, c'est en tant que parti. C'est-à-dire que, nous avons d'accord, tout ce qui est à Kwamout, tout ce qui est côté de la Béni, côté de la Routchour, tout ce là, et puis tout ça, l'élection après côté Kouna. En tant que président de parti, je ne suis pas d'accord. Mais au nom du réalisme politique. Parce que cette population là. Non, j'en arrive. Ouais. Au nom du réalisme politique. Au nom du respect, il y a des traités internationaux, Nyonso, RDC et Signa. Nous avons accepté la démocratie rotative avec les délais de 5 ans. C'est-à-dire, ceux qui ont organisé l'élection TEN à 2023. Nous risquons de devenir un pays dictatorial, un pays presque non classé, un pays qui ne respecte pas les accords. Bougoué, c'est le président Tshisekedi, il est dans un pouvoir illégitime et illégal. C'est ce que les opposants veulent nous amener. La CENI étant l'organe technique habilité à organiser l'élection. Avec tous les moyens de l'État, bah réfléchir ma bandité. Pour que tu sombres dans le piège où on a été en émission illégitime et illégal, mieux vaut te organiser d'abord les élections avec tel groupe, tel nombre d'ethnies, en mettant au frigo les quelques ethnies où ils ont un problème. Nous avons connu ça avec Benin en 2018. Il y a des jurisprudences. Beni le moi jamais comme na Rwanda. Beni en son temps n'a pas organisé des élections. Je me rappelle d'ailleurs que Martin Fayulu au lendemain des élections tant qu'on échoua qui a kenak na Beni. Pour dire bon non, nous devons organiser les élections. Et donc moi je pense que au nom du réalisme politique et électoral, Neseni et Sengi que to postposer organisation y a scrutin na zone wana. Donc, mais ils ont des élus. Donc ils ont des élus. Ils n'auront pas des élus. Non, ils n'auront pas des élus dans la nouvelle législature. Ah, mais voilà. Mais après, Kimia et Kokota, ils ont voté Bato Balingi. C'est d'ailleurs un moyen pour favoriser clairvoyance populaire. C'est-à-dire que Bato Kwamout, Bato Laté, il faut voter Penda, vraiment l'obéir.
bah tu as béni la non il faut te voter vraiment Moutoro le Belabiso. Mais moi en tant que président de parti, je le dis encore une fois, je ne suis pas d'accord. Moi je suis pour par contre que l'on se mette d'accord d'organiser les élections même en 2025. Ça c'est mon parti. Là il y aura un vide juridique. Non, il n'y aura pas un vide juridique, il y a une jurisprudence. Le président de la République en 2018, parce effectivement, que le président la Constitution allé, nous dit qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est-à-dire qu'on n'aura rien à changer, on va continuer. Question de pouvoir mettre des batteries pour que tout ça, l'élection Moko nationale, élection Moko Oyo, toute l'étendue de la République, ils ont intervenu. Mais, ça, c'est l'avis de mon parti. Le mouvement, oui, Salama qui pour les Kambouana, tu es bien en 2018, tu es bien Salama, tu es bien à toi, Koufa, les lobes, procès, comment. Justement, voilà. Ça pourra arriver. Ben voilà. Pour éviter tout cela, la CENI pense qu'il faut organiser les élections sans quelques territoires de la République et ça ne va tuer personne. Aujourd'hui, le pouvoir de Tshisekedi dit que vous êtes dans la vision et. Lilo va représailler contre les opposants. Oyo, moi, Namboka, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fustigé tant Wazalaki dans l'opposition. Pendant ce temps, Wazalaki dans la majorité. Wazalaki dans la mouvance. Je l'assume. Je n'étais pas dans la mouvance. Je soutenais la République démocratique du Congo. Je dois le dire. Donc, vous soutenez la République. Si demain Fayoulou devient président, vous soutenez aussi Fayoulou. Je le dis une fois de plus. Vous allez soutenir Fayoulou. Je soutiendrai la République. Dans la République. Si en son temps, c'est lui qui sera président, et Kozalayo, Kozalanga, nous pensons qu'il faudrait travailler dans la collaboration, je serai d'accord. Au cas contraire, on fera l'opposition. C'est pas la transhumance. Mais tout en soutenant. Non, c'est quoi la transhumance? La transhumance est une théorie politique. Président Ivan, Lelo va représailler d'abord opposant. Lelo marche boyé. Lacrymogène, Batouba Koufi. Et il faut que maintenant interdiction. Boleka boyété. Tout ça là. Le président Félix a condamné Kango quand il était opposant. Comment le pouvoir naïe, Kabilo Kabongo cause à l'acceptable. Jason, il faudrait placer les mots dans leur contexte. Nous ne sommes pas tous dans la République bananière, c'est-à-dire Oyoapi, Moutouako Salaïlo Kualingi, même au nom de la démocratie. Dès lors que le président Félix, il est le président, mais il est le garant du bon fonctionnement de l'appareil qui est la République démocratique du Congo. Le président Félix ne peut pas venir imposer sa loi. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il est une institution. Mais la République ne l'appartient pas en tant qu'individu. Il a des préférences. Il voudrait bien qu'il y ait respect de la démocratie, respect de la liberté d'opinion, d'expression, chose que le président Félix est aujourd'hui en train de promouvoir. Mais le président Félix, Azalite Moutoyo, a sifflé pour la barbarie et comment? Pour la jungle et banda, pour que la récréation commence na sommet à Moka. Ndekolanga y Jason. Bozolo ba représailles. Aujourd'hui, ma marche à opposition. N'oubliez pas que nous sommes presque à 4 ans et demi, à 4 ans presque, depuis que le président Félix Sassal a reçu le pouvoir. Combien d'opposants ont été arrêtés? À part ceux qui font outrage, par exemple. L'outrage est une infraction punissable. Mon frère, j'apprends ici qu'on a arrêté les opposants. Mais est-ce qu'il est aujourd'hui permis à qui veut de détenir des armes à feu dans les aéroports, dans les ports et les beaches? Là, vous faites allusion à Salomon Escadé. Vous êtes journaliste. Est-ce que c'est ça la République? C'est ça le respect des droits de l'homme? Bon, ce que Salomon a siligé soit Banigo Betaradmasas. Vous allez condamner qui? Représailles des opposants. Qui est-ce qu'on a réprimé? J'ai dit ici et encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. On a posé question à... Je félicite le professionnalisme de la police lors de la marche du 20. Pour la simple et bonne raison. On a vu des images des gens. Nazokoko Melayon de Konangaye. Nazokoma. Cette même police là. Nazokoma. Ceux qui ont marché, ce n'étaient pas les Congolais, épris d'un sentiment patriotique.
C'était pur et simplement des coulounes à recruter pour, je vous dis la vérité, je l'ai dit, les gens m'ont traité de tous les mots, mais les jeunes hommes là, les petits garçons, c'est un petit coulounes. À l'âge de 10 ans. Mais les coulounes ont quel âge aujourd'hui? À l'âge de 10 ans. La majorité des coulounes, est-ce qu'un enfant, est-ce qu'un enfant congolais, un enfant, est-ce qu'ils ont quitté la curiosité à moi, à Bimi, à moi? Il ne s'agit pas de la curiosité. Mais il y a des journalistes au monde, ils ne doivent pas être bangatés. Je ne voudrais pas esquisser pas dedans ces bakoulouna. Voilà. Moi, on a d'ailleurs au dendana ma banga. Jason. C'est un petit koulouna connu très bien à Banga Bawana. Vous comprenez? Au-delà de lui, vous avez entendu le président Martin Fayulu dire beta ma banga, beta ma banga. La marche va qu'on beta ma policier ma banga. Ma policier, oh, wak bazali, sans couleur, sans coloration politique. C'est-à-dire, soit le président Félix Aleki et que le président Martin Fayulu, on sait la canne à ma même policier. Alors, on a ma policier dans le quartier. C'était na Tchangou, non. Alors, on voit les mêmes policiers ou na. Donc, il faut c'est-à-dire qu'il faudrait. Là où je suis, c'est-à-dire qu'il y a des grands mots, des grands remèdes. Nous devons... au Koulouna. Hein? Au Koutouna, général Kassongo, il y a un journaliste. Général Kassongo, il y a un bataillon, mon copain, préparé pour qu'on réprimer les brigands. Le général Kassongo, avec qui on parle très bien. Voilà. Ouais. Pour qu'on réprimer les brigands. Ça dit qu'il y avait des Koulouna sérieusement outillés. Ba bataillon blindé bimaki, ba armée rouge bimaki. Je vous dis la vérité. Ba bimaki, on a pour que faire quoi? Pour aller pas me faire la marche parce que il n'y avait pas une mobilisation réussie. Nous arrivons à la fin. Donc, l'État c'est pour nous vous, est imparti. Non, merci. Est-ce c'est que, pour vous dire qu'il n'y avait pas représailles comme on l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut toujours à la système Oyo? Bon, posant bazar arrêté, bon, posant bazar réprimé, interdiction de voyage, interdiction d'arriver dans telle province, il ne faut pas organiser. Donc, malheureusement, ce n'est pas parce le que cas. Ça, et comme il y a Moïse Katumbi, on a mais lorsque Moïse Katumbi ne respecte pas les itinéraires, lorsque Matata Pono ne respecte pas les itinéraires, vous savez, si vous avez respecté le bourgmestre, si vous avez mère, vous respectez ma mère. Sur les gouverneurs, vous savez que Matata, Fayulu, Sesanga et qui encore l'autre là, Moïse, ils doivent présenter des excuses à la personne de Gentiline Ngobila. Parce que il vous prend tellement au sérieux qu'à Bengi Bino te définir itinéraire pour se mettre d'accord. Mais lorsque vous quittez Nandila, vous avez dit que vous avez dit pour créer le chaos. Des deux, aujourd'hui, il y a le Congo central, le numéro 1 a informé. Moïse Katumbi n'est pas une personne comme tout autre. C'est un acteur politique qui a aujourd'hui une renommée. C'est-à-dire que lorsqu'il y va, c'est la sécurité de la police. Moïse Katumbi, il y a une milice. C'est une milice. Mais il y a une milice. Il y a une garde. Combien de gardes? Est-ce que il y a une entreprise, il y a sécurité reconnue? Pourquoi nous sommes journalistes posez un peu la question sur la nature juridique. Il y a plus de 250, 300 personnes au bazar autour. Il y a Moïse Katumbi. Posez la question. C'est tout à fait normal que lorsque la police na Congo central, l'opposition ne respecte pas les itinéraires. L'opposition ne respecte pas sa parole. Je crois qu'à un certain moment, il faudrait respecter l'autorité établie. Merci. Lorsque Baby sur la meeting na place du 30 juin, sous la place du 30 juin. Très bien. Et ça te on au comment le coco tanaba na kikanda au kota ba parti par là, non, c'est ce pourquoi moi je soutiens aussi la position du gouverneur du Congo central qui a évité le chaos. Qui a évité le pire? Merci président Ivan, le président de RCD. RSD, il ne faut pas comprendre. RSD. Rassemblement. Pour la souveraineté et la démocratie. Voilà, et la démocratie, nous te disons merci. Et Bandeko Balandi Toton, Dibino Boton, dit Lelo, tout ça qui spécialement, le président, il y a RSD. Voilà, monsieur Ivan Ilunga. Tokoute na Mikolo Zali, Koya, Potobeta Masolo, il y a Mboka Congo. De temps à autre, ceux qui vous en ont besoin, il y a Ndeko Ivan, Toko Bengaye, Tosolola, Ponakou. Toto Ndibine Boutou.